intentar responder a estas preguntas. ¿Qué dice Rubén Darío acerca de, primero, el continente americano? Segundo, los Estados Unidos. Veremos que... Si vous n'avez pas de tous idées, vous pouvez juste aller checker. Là, j'ai fini le 1A. Si vous voulez avoir une idée, quoi, je dis pas, me prenez pas en exemple, mais voilà, pour vous donner une idée de la gueule que ça doit avoir. Quoi. De toute manière, juste pour vous prévenir, il y a une fiche de lecture à faire par personne. Genre. Nicaragua, México, Colombia, Venezuela. Vamos a mirar también qué dice Rubén Darío acerca de Europa en general y más particularmente de España. Y luego, ¿cómo ve a estos países de América Central, de México, a Nicaragua, a Venezuela, a Colombia, incluso a Brasil? A ver, vamos a leer. ¿Todo el mundo tiene texto? Comienzo la lectura. Desde México hasta la Tierra de Fuego hay un inmenso continente en donde la antigua semilla se fecunda y prepara la savia vital, la futura grandeza de nuestra raza. De Europa, del universo, nos llega un vasto soplo cosmopolita que ayudará a vigorizar la selva propia. Mas he aquí que del norte parten tentáculos de ferrocarriles, brazos de hierro, bocas absorbentes. Esas pobres repúblicas de América Central no será con el bucanero Walter con quien tendrán que luchar, sino con los canalizadores yanquis de Nicaragua. México está poco atento y sigue todavía el dolor de la mutilación. Colombia tiene su istmo trufado de hulla y fierro norteamericanos. Venezuela se deja fascinar por la doctrina Monroe. Y lo sucedido en la pasada emergencia con Inglaterra, sin fijarse en que, con doctrina de Monroe y todo, los yanquis permitieron que los soldados de la reina Victoria ocupasen el puerto nicaragüense de Corinto. Y el Brasil, penoso es observarlo, ha demostrado más que visible interés en juegos de daca y toma con el Onkyo Sam. Cuando a la vista está la laguna del norte, no queda sino preparar la defensa. Pero hay quienes me digan, ¿no ve usted que son los más fuertes? ¿No sabe usted que por ley fatal hemos de perecer tragados o aplastados por el coloso? ¿No reconoce usted su superioridad? ¿Sí? ¿Cómo no voy a ver el monte que forma el lomo del mamut? Pero ante Darwin y Spencer no voy a poner la cabeza sobre la piedra para que me aplaste el cráneo la gran bestia. ¿Y usted no ha atacado siempre a España? ¿Jamás? España no es el fanático curial, ni el pedantón, ni el domine infeliz desdeñoso de la América que no conoce. La España que yo defiendo se llama hidalguía, ideal, nobleza. Se llama Cervantes, Quevedo, Góngora, Graciano, Velázquez. Se llama el Cid, Loyola, Isabel. Se llama la hija de Roma, la hermana de Francia, la madre de América. Bien, este texto es
del triunfo del Calibán, el Darío, aparecido en 1898 en dos periódicos, en el diario El Tiempo de Buenos Aires y en el Cojo Ilustrado de Caracas. Como verán, aquí hay un estilo diferente, ¿no? Y que no nos cause miedo todas esas metáforas, todas esas imágenes literarias, porque, bueno, vamos a ver que a pesar de ello podemos penetrar en el sentido que les quiere dar y descifrar el mensaje profundo de esta obra. Rubén Darío, entonces, primera cosa, vamos a enumerar las líneas, ¿sí? Hay 20 líneas, vamos a enumerarlas, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, ok. Vamos a ver las tres primeras líneas, ya definición o manera de hablar del continente americano. ¿De dónde a dónde abarca ese continente americano? Ya, para comenzar, nos da, nos ilustra, nos describe la zona geográfica. El continente americano. ¿Quién me lo puede decir? Geográficamente va de dónde a dónde. ¿Sí? Bien, la Tierra del Fuego, ¿dónde es? ¿Alguien puede decir? ¿La Tierra del Fuego dónde queda? Muy bien, en el sur de Argentina. Hola. ¿No? Hola, Alba. En el polo sur, completamente. En el polo sur. Y bueno, ¿qué promete este continente? Allí dice: desde allí hasta el otro lugar hay un inmenso continente. ¿Y qué se pasa allí? Allí reina la antigua semilla. ¿Y qué es la antigua semilla? ¿Cuál es esa semilla que se fecunda y prepara la savia vital para la futura grandeza de nuestra raza? Aunque parezca así, muy grande el puente, ahí lo podemos, va, lo de cogido, ¿no? No somos en español, la movesa de que de paragrafo pelón. Me voy. A ver, la método hermenéutico, con el método hermenéutico, vamos a ayudarnos, vamos con este método a descifrar el sentido de la frase, pero recorriendo poco a poco cada palabra, cada fragmento, cada frase con sentido, ¿sí? Cada oración, cada párrafo con sentido. Así, el primer sentido que debemos descifrar sería la antigua semilla. ¿Por qué antigua? Pues como dice la metáfora de la guirnalda. ¿A cuál se refiere? De la se mo de ellos. Ce qui est avant par avant, ce qui est à préciser. On peut parler.
venait de l'origine, peut-être. Quoique dans une plante, quand on parle des origines, c'est plutôt les racines. Non? Malgré ça, là, on dit de la semence qu'elle est ancienne, antigua semilla. Pourquoi? Normalement, une semilla, la semence, c'est le petit grain, c'est la promesse de vie d'une plante, non? Qui va se développer, qui va grandir, qui va avoir sa propre vie et faire des fruits, etc. Mais pourquoi ancienne? Pourquoi antigua? D'où vient donc cette semence? Qui prépare donc cet arbre que dans le futur va représenter le pilier d'une nouvelle société à l'Amérique latine. Bon, il fait allusion donc effectivement à peut-être aux ancêtres. L'antigua semilla, c'est sur cela qui est resté un peu l'état de latence. Pour pousser juste après, venir le mot. Peut-être donc antigua, parce qu'elle tiene herencia de las culturas indígenas ancestrales, de todos esos pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios. Y luego, pues, es como la promesa de una nueva sociedad, la futura grandeza de nuestra raza. Bueno, al menos si a lo mejor no parlo plus de raza, hace poco, veo en todo el contexto de la influencia, de España, de la España, de la América colonial, grupo de. De cette Espagne que, comme d'ailleurs toute l'Europe, va réindiquer une loi de l'évolution. Et va à cette ancienne se fecunda et prépare la savia vital, la future grandeza de notre race. Et luego dice, de Europa, de l'universo, nos llega un vasto soplo cosmopolita qui ayudará a vigorizar la selva propia. On dirait qu'on associe notre continent à la forêt, à ce exotisme, non? De la nature, de l'Europe. De cette vitalité, mais une vitalité qui est vigorisante, qui porte et c'est quoi ces choses-là, venues de l'Europe, qui peut aider et contrôler donc, au développement de cette nouvelle société. Peut-être qu'il y a un mot-clé là, qu'il faut souligner, c'est local. La palabra, c'est la tête, c'est la ligne 3, regardez. Nous ne sommes pas.
pas uniquement des sociétés infernales soi-même, cosmos, cosmopolita, et cosmos que c'est l'univers, polis, ça fait allusion à la polis grecque, cosmopolita, c'est comme un mot qui avant pouvait dessiner l'univers, la diversité, l'unité dans la diversité, l'unité dans toute la diversité, mais cette unité de la diversité, c'est tout ce que l'Europe peut nous donner de bien à niveau des sciences, à niveau des cultures, d'universalisme. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. On n'appartient pas uniquement à des nations, à des identités fermées. On parle quand même de l'Amérique comme quelque chose de grand ouvert à toutes les influences. Bueno, aquí tenemos otra cosa para comenzar desde ahora a ver cómo perciben los Estados Unidos. Miren, pues en la línea 3, relajando la línea 4, ya nos identifica el lugar. Cuando habla de los Estados Unidos, sin decir los Estados Unidos, se menciona que es allí de Estados Unidos, y menciona de ella l'ubicación de l'endroit. C'est lequel? ¿Cuál es el lugar? Si América Latina es desde México hasta la Tierra del Fuego, aquí cuando se refiere al enemigo, cuando comienza a hablar de los Estados Unidos, habla de el norte. Ya lo defines el norte. Y esa se entraza, pues se va a dividir que qué parte de ella dan cette carte, primera línea, la carta de continente hispanoamérica. Y el norte, ella, la América hispana o latinoamérica, que va de México hasta la Tierra. ¿Y qué pasa entonces con esta gente del norte? ¿Qué nos hacen estos del norte? Vamos a ver. Dice, parte tentáculos de ferrocarriles, brazos de hierro, bocas absorbentes. Ça es un langage littéraire, hein? C'est une métaphore. Et on associe des choses comme tentáculos avec des ferrocarriles. Tentáculos, ça peut penser à la bête, non? Le fouet. Et qu'est-ce qu'ils font les tentacules? Comment ils sont? Qu'est-ce qui évoque cette image? Comment ils se défendent, comment ils chassent, comment ils se nourrissent. C'est grâce peut-être à la force de tentation qui peut donc aller loin, s'étendre, et alrededor, pouvoir tenir à l'alcance tout, et tu peux, non? Como si un serpón. Así es muy extraño, pero bueno, no es ilógico. Es decir, ya estamos mirando a este norte como si tiene muchos brazos. Como decir que tiene muchos brazos es otorgarle el poder. Yo sé pas si hubo un souvenir de la manera como en la prehistoria le somos de caverna de fue c'est des visants de chasseurs, les plus puissants des chasseurs. Ils avaient plusieurs jambes,
Et s'il était très fort, on mettait plus sur bas. Et si c'était un cheval qui était très speed, pareil, il avait 8 jambes, 8 pas. C'est un peu cette image, non? Cet ennemi, il y a un autre qui a beaucoup de bras. Ils sont de hierro, en plus. Ils sont panthères. Mais la référence à voir Ferrier, las vías férreas con el ritmo de Bois Ferré, que la referencia a Bois Ferré son intéressantes. Ça veut dire que ce pays, il est industrialisé, que ce pays a eu dans son passé un projet qui le définit comme celui qui entreprend, celui qui va faire énormément de routes pour le train. Et le but, c'est sortir toujours le produit de l'exploitation, minière ou agricole, ou n'importe. Mais c'est ça. Et c'est pas non plus isolé avec l'autre métaphore qui suit. Bocas absorbentes. Ça veut dire quoi? Bocas, c'est aussi un truc organique. Comme tentacles sont organiques et ferrocarril, c'est un truc métal. Okay, bon. Là, il y a deux choses qui sont opposées, mais qui vont ensemble. Les bocas absorbentes. Parle de la bouche, on associe la bouche à quoi? D'habitude, à quoi on associe la bouche? En principe, on avait vécu ou on avait soin de se nourrir. Donc là, le mot absorbent, ça veut dire quoi? Comme un supermarché, une bombe, qu'est-ce que c'est? Absorbe. Absorbe, nettoie, et masse, sèche, hein? Sèche quelque part. Donc c'est comme une bouche qui a très soif, qui est insaisissable. Et en lien avec les bras de fer, avec le ferrocarril et toutes ces choses-là, ça veut dire que c'est une civilisation, un peuple, comme on peut l'expliquer, avec tous ces composants. Si on essaie de traduire ça à un langage plus simple, on dirait quoi? Esta gente del norte, ¿qué hace? ¿Cómo son? Après le pouvoir, je vais chercher. Voilà, donc, ya, commencer à définir. Ils sont Estados Unidos comme la gente del norte. Que s'expande. Que nous domine. Que nous exploite. Que nos dominan, que nos explotan con brazos de hierro y que son insaciables en su ser de poder. Bueno, puede ser, ¿no? Ya es una definición. Es así como comienza a hablar de los Estados Unidos. Bravo, ¿eh? Segundo, cuando lo pone en contraste con los otros países. Línea 5. Dice, esas pobres repúblicas de América Central no serán con el bucanero Walker con quien tendrán peluchón, sino con los canalizadores yanquis de Nicaragua. A ver, aquí hay dos informaciones. Primero, América Central y Caribe, que
ya es parte del pasado. Hay un nuevo enemigo. Este nuevo enemigo con quien tiene que luchar también tiene una característica. ¿Qué hace? Los canalizadores ya. Canalizador. Son los que hacen canales, son los constructores de canales, los hacedores, realizadores, hacedores de canales. Constructores. Esa es otra manera entonces de llamar a los Estados Unidos, a la gente del norte. Le llaman yanquis y le llaman yanquis hacedores de canales. Y fue conocer a un episodio horrible de los estaban en América Latina, de Perú, con Nicaragua. El Adenón, y yo aussi. Dominé par des créoles qui, dans leur vie, ont travaillé et qui ne savaient rien faire. Ces créoles riches, qui avaient l'habitude d'avoir des esclaves, des serviteurs, et qui voyaient de loin travailler les Espagnols, c'est eux qui sont restés à la tête du pays, dans l'organisation de l'économie, de la politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'était la grande catastrophe. Premièrement, la faillite. Il fallait quand même faire des alliances avec d'autres gens pour exporter des produits locaux. Et en attendant, bon, on a créé des dettes. Des dettes envers l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Hollande. Qui ont prêté de l'argent à tous ces pays. Et même les États-Unis ont fait ça, on peut faire ça. Et en faisant des canales, ils avaient de relier l'Atlantique et le Pacifique pour faire circuler plus rapidement la marchandise du Caraïbe. De ce côté vers l'autre, vers la côte pacifique des États-Unis. C'est ça l'histoire, disons, ce qui explique le projet de faire des canaux. Mais comment ils l'ont fait? C'était abominable. Lors de la Première Guerre mondiale, rappelez-vous que les Alliés, ils ont commencé à exiger des États-Unis de l'aide. Parce qu'ils avaient des grosses industries, métallurgiques et tout ça. Et l'Angleterre demande d'inventer des armes de guerre efficaces. Les États-Unis inventent la mitrailleuse Winchester. Et contre qui l'ont testé? Contre les Nicaraguayens. Donc, cet épisode-là, ça parle quand même de l'histoire. C'est pas Coigny, c'est pas le Bucanero Walker
ces gens, ceux qui construisent les canals, derrière, il y a du sang. Il y a de la déchirure dans la mémoire historique. Il y a beaucoup de choses. Donc ça s'est dit comme ça, tout court. Mais dans notre travail de chercheur, dans notre travail pour faire les commentaires, on nous exige quand même de la culture générale et d'aller fouiller pourquoi il dit ça comme ça. Bon, voilà, c'est pas uniquement pour dire le gringo qui font des canards. Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ça? C'est le moment, c'est l'industrie, c'est le pays qui peut-être avait besoin d'avoir des pompes, des choses. Non, c'est plus grave que ça. Voilà. Deuxième, notre idée pour compléter la vision de ce que Rubén Darío a des États-Unis. Ligne 6. México está poco atento. Y siente todavía el dolor de la mutilación. Alors, la mutilación, c'est le mot clé ici. Mutilación. Donc, ce gringo-là, ce junkie, il mutile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À quel événement il fait référence ici? Vous vous souvenez des Zorros? Zorros, la série de Walt Disney en Nueva York. Dans son concert, quand on sort de la vie, la pared se bravo, Zorros. Voilà, les toros. ¿Dónde vivía el toro? ¿De dónde era Diego de la Vega? Voy a tener el estilo barato, Diego de la Vega. Et alors Mexique et dans quel endroit? En el norte. En el norte de México. Bien al norte, a ver. Lo que hoy día se llama la Baja California. Sí. Entonces, la Baja California, la California, Los Ángeles. California es esta ciudad, se quedó México, es de la ciudad de español, que es español es un papi, se quedó México. Ok, me voy a dar el que el caudillo, el presidente que resté la, un padre, cómo geré ese vasto país, esa frontera con los del norte. Ceux qui sont plus au nord, et pour les gens du nord, c'est-à-dire les États-Unis, le sud des États-Unis, c'est une terre prospère, avec beaucoup de fermes, de production de coton. S'il y a eu l'abolition de l'esclavage, c'était compliqué pour exploiter les entreprises, il fallait quand même de la main d'œuvre, pas cher, c'est qui était par là. Les voisins de la frontière, encore le même problème. Il y avait des travailleurs qui faisaient des agricultures, etc. Tout ça fait que finalement il y a une guerre, et dans ces guerres et dans les négociations qui ont suivi, un de ces présidents mexicains a vendu par 3 sous cette grosse vaste. La région aux États-Unis. Ils se sont fait avoir et depuis le Mexique n'a pas pris de côté. Voilà. Entonces, es una mutilación. Aquí se habla entonces de cómo ils sont motivés avec tricherie, avec du profit qu'ils ont fait. Comment ils sont enlevés cette grande partie de México. Alors, la Colombie.
Colombia, entonces, tiene su istmo trufado de hulla y fierro norteamericano. Donde le vas a militar, des entreprises de la Timélie, des choses comme ça, voilà. Placé par les Nord-Américains. Et quand on dit Nord-Américains, c'est pas les Colombiens. Peut-être les États-Unis, c'est les Canadiens aussi. Mais franchement, on sait que le Mexique est en Amérique du Nord et il ne parle pas du Mexique, il parle des États-Unis. Bueno, Venezuela. Et se deja fascinar por la doctrina Monroe. Là, qui peut m'expliquer à quoi consiste la doctrine Monroe? Monroe, c'est pas le papa de Marilyn Monroe. Déjà. C'est de quoi la consigne ou le slogan de la doctrine de Monroe? C'est ici. América para los americanos. Sauf que après, ils se sont appropriés du mot américain, comment c'est? Voilà, ils voulaient prendre. Donc, l'Amérique, pour les Américains, pour faire donc une sorte de défense de tous les pays, aussi bien du Nord et du Centre que du Sud, contre les envahisseurs, les nouveaux envahisseurs colombiens, que c'était donc ces gens que je viens de mentionner, qui étaient des banquiers, qui prêtaient de l'argent, et comme les pays ne le remboursaient pas, ils voulaient donc se faire payer avec les ressources naturelles ou de la terre, ce qui fomente tout le monde. Donc, América para los Americanos, mais les États-Unis dans le rôle du grand frère. Le grand frère qui va protéger les pays pauvres, les voisins du Sud, et le grand frère avec un bâton qui va donc défendre comme une cavernicole, comme quelqu'un préfère les petits frères des Anglais, des Allemands, etc. Et c'est le cas. Qu'on mentionne ici avec le Venezuela. Le Venezuela a pris une grosse dette envers l'Allemagne, la France, l'Hollande et l'Angleterre. Et ils sont faillis de faire une première guerre mondiale déclenchée en Amérique à cause de ça. C'est un grand problème diplomatique. Et comme le caudillo vénézuélien a dit non, je n'ai pas de quoi payer, ils doivent attendre, mais pas question de venir se rembourser avec mes terres, non. Donc, alors, les autres, ils ont déclaré la guerre, et ils venaient, hein, avec des armées et tout, pour envahir le Venezuela et la côte de la Caraïbe. Et c'est grâce à la médiation des pays voisins et des États-Unis qu'on a pu se sauver. Mais croire donc à la doctrine Monroe à ce moment-là, c'est aussi justifié donc que les États-Unis n'ont jamais rompu envers l'Angleterre. L'Angleterre qui a donc aussi peut se faire rembourser avec des terrains à Nicaragua. Et eux, ils n'étaient pas expulsés. Ils ont expulsé les Allemands, les Français, mais pas les Anglais, quand même. C'est la meilleure partie pour les gays. Bien, une autre manière donc de parler des Américains. Donc, Yankee, envahisseur.
Gran Frère. Y después, ¿qué tenemos? Línea 12. A la vista está Laguna del Norte. No queda sino preparar la defensa. ¿No? ¿Y son? Si hijo prepara la defensa, ¿y son cuáles? Son una amenaza. ¿Y son? Estados Unidos, aussi, c'est sont un ennemi, ils sont à l'offensive, ils sont une représentation d'une menace. Ensuite, les questions. ¿No ve usted que son los más fuertes? ¿No sabe usted que por ley fatal hemos de perecer tragados o aplastados por el coloso? No sé cuál es el objetivo de la primera question. Et le mot clé qui permet d'exister des Américains. Ne voyez-vous que sont les plus fortes? Fortes. Et là, la deuxième question. C'est qui va les engloutir et les écraser? Oui, et comment il le mentionne? Comment il est structuré en train de développer? Regarde dans la ligne 14. Comment il le mentionne? C'est qui? Dans la première, tu dis que c'est ceux qui sont forts, et dans la deuxième. Celui qui admitit et qui écrase, pour ne pas être tragados ou aplastados por el coloso. El coloso. On le voit comme el coloso, comme le plus fort. Troisième question, ¿no reconoce usted su superioridad? No, o sí, encore no como la superioridad. Ce qui nous divise aussi dans une vision duale. Los inferiores, los superiores. Los ricos, los pobres. Celui qui est en bas, qui est écrasé, et celui qui a la grande voix, ou le grand bâton, qui écrase. Voilà. Donc, la vision est assez. Dramatique, mais on ne le présente pas l'ennemi tout de suite en disant c'est ceci, cela, non, pour être comme. Il y a des images, il y a des métaphores, il y a des mots pour dire les choses de manière plus subtile. Insulter l'ennemi avec des bons mots, mais tout en faisant justice à ceux qui sont véritablement. Si, dice, son el coloso, la superioridad, y por finir, on peut l'identifier à la forme d'une grande montagne qui imite le don du monde. Okay. Et dans la ligne 16, on dit que lui qui est la grande esprit. ¿Vale? La grande esprit. Bon, c'est comme ça qu'on va découvrir les États-Unis à partir de ce texte. Et ce côté des propagandes de sauveurs et des grands frères qui protègent, donc, est démasqué par des faits historiques et dites avec un langage littéraire. L'autre chose qui va contraster ce texte avec celui qu'on a étudié la semaine dernière, c'est que les références sont plutôt des références d'un homme penseur, d'un homme des sciences, d'un homme des lettres,
va jurer par la providence, il n'est pas vu dans cette histoire. Cependant, lui, il parle des personnages tels que Darwin, Spencer, qui sont des sources des sciences et défendent les lois de l'évolution. Et d'ailleurs, c'est à partir véritablement de l'arbre et de toutes ces théories scientifiques et de l'évolution qu'on commence à parler de race. De la palabra rata, véritablement, comme on la comprend aujourd'hui, et pas dans les coffres colonies. C'est comme une extension de l'explication des théories des espèces et qu'on évolutionne, oui. Les peuples évoluent. Ce qui va permettre d'évoluer à ces pays émergents, c'est de faire tenir tête aux envahisseurs, de tenir tête à celui qui se prétend le grand frère, de récupérer avec fierté ce qui forme partie de notre culture. C'est-à-dire l'héritage des peuples originaires, l'héritage de l'Europe avec sa science, ses lettres et surtout de cette Espagne qui ne devrait pas rester un ennemi parce qu'il nous a légué le plus beau, c'est-à-dire notre langue. La langue espagnole, dont les meilleurs représentants, c'est ces écrivains du siècle d'or espagnol, Cervantes, Quevedo, Pollacito, Don Juan, Gracián, dans le baroque, et Velázquez dans la. Voilà. Ok, bon, je finis là. Et j'espère que vous allez utiliser plus ou moins cette même manière d'approcher les choses pour finir. Le texte de Victor Raúl Haya de la Torre et le dernier, comme évidemment on ne va pas le voir, c'est celui de Roca.